mais j'ai besoin de rien et je ne crois en aucune religion. Laissez-moi tranquille. Je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas. Mais je suis Thomas. Je suis le fils de Nathan. On avait rendez-vous. Oui, bien sûr. Je vous attendais. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En fait, donc, je pars au Groenland là avec un ami, Thomas, pour revoir mon père. Et donc, j'avais quelques petites questions, peut-être sur la culture inuite. Et comment va votre père ? Oh, je crois que ça va. C'est un type bien, votre père. Je crois que c'est un ami. Je sais pas si lui dirait ça de moi, mais moi, je dirais ça de lui. D'accord. Nathan est mon ami. D'accord. Et d'ailleurs, je le dis. Vous voyez ? Vous avez beaucoup d'amis ? Quelques-uns, oui. C'est bien. Et alors, en fait, j'aimerais savoir si par exemple, il y a des choses à ne pas faire. Vous voyez, des choses interdites. Comme par exemple, on dit, les Japonais, on ne peut pas se moucher devant eux. Eux, j'imagine qu'on peut se moucher parce qu'avec le froid, bon... Mais est-ce qu'il y a des... L'amitié est une valeur essentielle chez les Inuits. Essentielle. D'accord. L'amour aussi. Vous savez comment on s'est rencontrés avec Camille ? Non. Dans un avion. Elle allait en voyage et moi je partais pour une conférence. Et elle était assise à côté de moi. Et tout de suite, je me suis dit qu'il fallait que je lui parle, avant d'atterrir. Et vous savez ce qui s'est passé ? Non. C'est elle qui m'a accosté. Elle m'a demandé si je pouvais baisser le rideau de mon hublot. Elle avait besoin de dormir. Et le soleil frappait très fort. Oui. Est-ce que vous auriez des mots de vocabulaire ou des formules de politesse en inuit comme ça pour que je puisse échanger ? C'est primordial, la communication entre les êtres. Ah, il est pas bon mon café. Non, pas trop, non. Ah, bougez pas. Je vais vous faire goûter quelque chose. Vous dérangez pas, hein. Vous savez, il est un peu tôt, là, non? Vraiment, hein, je veux pas... une petite lichette, voilà. Merci. À l'aventure alors. Hein. Vous êtes amoureux, Thomas ? Amoureux ? Je sais pas trop. Thomas ! Bon voyage !